Bonjour peuple de Dieu, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ceux qui se sont abonnés à ma page. Je suis vraiment reconnaissante et que Dieu puisse vous bénir, que Dieu puisse vous éclairer. Et j'espère que les révélations que je partage avec vous vous aident à mieux prier, à mieux nettoyer vos vies, à mieux aller vers Dieu, parce qu'après tout, la marche dans le royaume de Dieu, c'est d'être comme Jésus et savoir où est le puits d'eau pour aller boire, pour aller s'abreuver et nous-mêmes est vraiment une bonne chose. Et c'est ça que je suis en train d'essayer de faire ou de faire, de partager avec vous. C'est des révélations qui m'ont été données par le Saint-Esprit et je réalise bien que c'est pas pour tout le monde. Il y a certaines personnes qui s'ennuient avec ça, qui préfèrent rester dans le... qu'on leur parle seulement que Jésus vous aime, qu'il faut donner la dîme, qu'il faut aider les frères dans le besoin. Oui, ça aussi c'est la volonté de Jésus, mais c'est ça mon appel. Donc je vous parle de ce que j'entends. Et de toute façon, j'ai confiance parce que je sais que même moi-même, je vous parle, mais j'ai un pasteur qui me prêche. Donc, je suppose que vous avez des pasteurs aussi, vous allez à l'église, vous êtes membre d'une église et que vous y allez et que vous recevez la parole de Dieu, que vous êtes nourri. Mais quand on regarde bien ce que Jésus était, il était beaucoup de choses. Il était une tour, alors il a évangélisé, il a prêché, il a délivré, il a guéri, il a pourvu, il fait toutes ces choses-là. Donc, il nous donne à chacun sa part. Et chacun court avec cette part-là et essaie de la partager avec les autres. Et je me rappelle très bien où est-ce que j'étais quand il est venu et qu'il m'a donné du pain. Il m'a dit « Ouvre la bouche ». Il m'a mis dans la bouche du pain. Et il m'a dit « Voilà le pain de la vie. Va partager la vie avec les autres. » Je me suis réveillée, je me suis dit « Le pain de la vie, qu'est-ce que ça veut dire ?» Mais c'est là où j'ai vu que la vie venait du pain. La vie venait du pain de la vie et... c'était pas, il y a la vie physique, oui on respire, mais il y a la vie Zoé. Et cette vie Zoé là ne peut venir que de lui, on ne peut pas l'avoir autrement. Et j'avais dit oui que j'allais partager le pain de la vie avec qui voudra m'entendre. Et c'est ce que je suis en train de faire là maintenant. Et cela étant dit, j'aimerais continuer mon thème. La dernière vidéo francophone que j'ai faite était parler du président Mobutu et du mal qu'il avait fait dans le pays. Ce que je vous ai décrit n'est que 50% de ce que j'ai vu et de ce que le Saint-Esprit m'a révélé. Je suis étonnée ou j'ai pitié des chrétiens qui, comme je vous l'ai dit, qui veulent une chrétienté propre sans problème. Je vais vous donner des exemples seulement, des portions de témoignages. Il y avait les élections présidentielles, je ne me rappelle même pas de quelle année c'était dans le Congo. Il y a eu ce candidat, pas les élections ici où Félix était le running mate, Félix Tshisekedi était d'un côté et il y avait Martin Fayoulou de l'autre. Les élections d'avant, les élections où le papa Tshisekedi était en vie, il était candidat au présidentiel. Je ne sais pas quelle année c'était, je ne me rappelle plus de l'année, mais c'est de ça que je parle. Il y avait un candidat là, qui voulait, ce soir-là, je priais, et le Saint-Esprit m'a dit, on part. Je lui ai dit, on part où? Et on s'est retrouvé au Katanga, à Kasumbalesa, à la frontière. Je connais bien, puisque j'y passais plusieurs fois pour aller en Zambie. Et on était là debout, mais du côté congolais. Et... je vois en l'air, j'entends un bruit qui faisait un vent. C'était calme, c'était pas bruyant ou quelque chose qui faisait peur. Et je regarde, il y avait une soucoupe volante. Une soucoupe volante, comme on voit dans les films. Les escaliers se sont ouverts comme ça, sont descendus. Et il y avait trois petits gris, les êtres de l'île Grays, comme on les appelle, qui étaient là-dedans. Un était devant, les pieds sur l'escalier. Prêt à descendre et les deux autres en arrière derrière lui et je pouvais les voir de là où j'étais et on se regardait
Il sentait comme le poisson. Vous voyez le poisson frais qui sort de la mer et on le met là. Ça, c'est pas très drôle comme odeur. C'est comme ça qu'il sentait. Et il m'a regardé, il me dit, qui es-tu? Mais il n'avait pas ouvert la bouche. On communiquait, je l'ai entendu dans ma tête. J'ai pensé ma réponse, apparemment lui aussi m'avait entendu. Je ne sais même pas s'il était un homme ou une femme, je n'avais pas vu s'il avait un genre ou s'il avait un appareil masculin ou quoi. Il était un être, les petits gris. C'était comme s'il avait une tunique grise, donc je n'ai pas fait attention aux détails de sa morphologie. Il me regarde, il me dit, qui es-tu? Je lui dis, je suis Odile Mulongo. Je lui dis, et toi, qui es-tu? Il me dit, je suis venu, je dois entrer dans le Katanga. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, pour aider notre fils. J'ai dit, qui est votre fils? Il m'a dit le nom du fils. Il me dit, on est venu l'aider pour les élections présidentielles, parce que s'il arrive à vaincre, à dominer le Katanga, il peut dominer tout le reste du Congo. Je lui ai dit, je ne veux pas, vous n'allez pas entrer. Allez l'attendre dans sa province, qu'il aille commencer par sa province, alors il pourra revenir dans le Katanga. Il me dit, non, tu ne comprends pas, notre mission, il avait un papier, il dit, notre mission est que nous devons commencer par le Katanga, gagner ici, et alors tout le reste du Congo va être un acquis. Je lui ai dit, je ne vais pas vous laisser passer. Il m'a dit, tu vas voir. Et de par quelle autorité tu m'empêches? Je lui ai dit, je suis la servante du vrai Dieu vivant. Jésus-Christ, c'est son nom. Il a eu un... Comme si quelque chose l'avait tapé quand j'ai mentionné ce nom-là, ce nom qu'on ne mentionne pas dans certains endroits. Il a ouvert sa main, il a soufflé une poudre grise, comme si c'était de la fumée, ça m'a tapé au visage. C'est à ce point-là que nous étions près l'un de l'autre. Et je lui ai dit, j'ai fait ça, mais ça m'avait touché. Je lui ai dit, mais c'est pas grave, vous n'allez pas entrer. Ils m'ont dit, on se retrouvera encore. Je lui ai dit, vous savez où me trouver. Et la porte s'est refermée, ils sont partis. Le matin, je me suis réveillée, je me suis dit, mais j'ai eu un drôle de rêve. J'ai repassé ça en tête, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et je regarde. Excusez-moi, vous voyez qu'on parle de certaines choses. J'ai été me laver et je mettais la lotion et j'ai vu qu'en dessous de chaque sein, il y avait trois boutons. C'était des furoncles qui ont grandi au point que, au bout de 2 jours, je ne pouvais plus porter de soutien-gorge. Je vous donne ces détails-là pour que vous puissiez voir l'impact du mal que ce monsieur ou cette créature avait jeté sur moi. Ça fait peut-être 10 jours. Je ne pouvais pas porter de soutien. Je portais des habits assez amples pour qu'on ne voit pas que j'avais l'air négligé ou quoi. Et j'ai commencé à prier. J'ai dit, mon Dieu, dois-je aller chez un docteur? Mais je savais que ça venait de la cause spirituelle. Ce n'était pas une cause naturelle que c'était que j'étais malade ou quoi, une infection. Et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Saint-Esprit, help me, aide-moi. Et il m'a dit, achète l'huile de karité. J'ai acheté l'huile de karité. Il m'a donné une recette actuelle, c'est la même que j'utilise jusqu'à présent. Je n'utilise plus les crèmes vendues dans les magasins. Je fais mon beurre de karité moi-même, je mélange. C'est une huile qui a 12 huiles et c'est ça que j'utilise jusqu'à aujourd'hui. Et cela va faire plus 7 ans, 10 ans. Mais c'est ça que j'ai vécu. Et quand je lui ai dit, mais pourquoi? Ils m'ont puni, ils me disent, c'est pour te faire payer dans la chair parce que tu as hérité leur programme. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que il a appelé ce monsieur notre enfant, il dit, c'est son enfant, il n'est pas un être humain. C'est là où j'ai reçu une autre révélation de que oui, on avait le blé et livré, on avait les brebis et les chèvres, mais il y a aussi autre chose. Parmi nous, nous avons des politiciens ou des personnes qui sont élevés et qui veulent arriver à la magistrature suprême de certains pays, mais qui ne sont pas des êtres humains. Un petit gris m'a dit, c'est notre fils. J'ai demandé au Saint-Esprit, j'ai dit, est-ce que tu peux me confirmer? Aide-moi à comprendre ça, c'est trop grand pour moi. Ça dépasse mon intelligence. Et il continue à me les montrer. Si je vous disais que vous avez des personnes qui sont tellement mauvaises, c'est ce que je sais donc en conclusion avec cette histoire-là, c'est ça que j'ai vu. Ils sont là dans le Congo, je les vois dans les news, je vois la famille,
ils ne sont pas des êtres humains. Ils sont des enfants des extraterrestres, de ces petits gris-là. Je ne peux pas, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Je m'arrête là pour ce sujet-là. Donc, je voulais témoigner et vous partager que nous avons des êtres humains qui sont humains à l'extérieur, mais qui ne sont pas humains à l'intérieur. Et une autre fois, il m'a emmené le Saint-Esprit. Ça s'est passé il y a 18 ans. On est allé à Lubumbashi. Vous voyez là où il y a la montagne de scorie de la Gécamine. Et là en bas, il y avait une prison. Il y avait une prison et on arrivait dans la prison. Il fallait entrer par des tunnels. Apparemment, il n'y a pas de porte là, puisque les gens passent et repassent. C'est une montagne de scorie. Mais il y avait des tunnels, il y avait une ouverture. On est entré là. Et il y avait tout le gouvernement katangé qui avait eu Moïse Tshombe comme président de la République et mon père, Godefroy Monongo, comme ministre de l'Intérieur et tous les autres. Il n'était pas là physiquement, mais il y avait comme... vous voyez quand on a une exposition de photos et on met la photo contre, ça se repose contre cette chose-là. Comme a little stool or something, I don't know what to call it. La photo de tout le gouvernement katangé qui avait osé proclamer la sécession de 61 à 62. Le 11 juillet 1961 qu'ils avaient proclamé la sécession et le Katanga a quitté le Congo. Ils étaient là prisonniers. Et on est allé avec le Saint-Esprit, on les a fait sortir de là. Et en faisant sortir les pères, on a fait sortir les enfants aussi. Et j'ai demandé au Saint-Esprit qui avait fait cela. Il m'a dit le nom de la personne. Et la raison pour laquelle était que ce mouvement-là, ce regain de l'identité katangaise ou du désir d'être indépendant, que ça ne puisse plus revenir. Que ça ne puisse plus revenir parce que ça dérangeait beaucoup de personnes. Alors on avait maudit ces personnages politiques et on les a mis là en bas, sous la montagne. On a détruit ce programme-là. Ça, c'était une deuxième chose. La troisième chose, je dois bien choisir, il y a certaines choses qui ne sont pas encore bonnes à être dites là maintenant. La troisième chose est que j'ai vu, j'ai entendu cette dame qui m'a appelé par mon nom dans mon sommeil. Et j'ai répondu, elle m'a dit, je m'appelle Anna, je suis l'intercesseur de Dieu dans le Kivu, et nous avons besoin de ton aide, parce que il y a, regarde, et j'ai commencé à voir de quoi elle parlait, elle regardait d'un côté, mes yeux ont commencé à regarder aussi, j'ai vu des géants, mais alors je vous parle de géants, hein, comme des poteaux électriques dans la rue, donc moi, un être humain à côté d'eux, j'étais vraiment comme une enfant. Et il quittait le Rwanda pour traverser, entrer dans le Congo. Et elle m'a dit, regarde, le premier avait son nom, c'était écrit meurtre. Le deuxième, c'était écrit abomination. Le troisième, mais pour eux, traverser le lac Kivu, c'était comme un pas à deux, ils étaient là. Le troisième, c'était écrit sodomie. Le quatrième, c'était écrit déchirer la fabrique de la société congolaise. Le quatrième, c'était la peur. Et le dernier, c'était anxiété. Des géants qui quittaient le Rwanda, qui traversaient pour entrer dans le Congo. Et elle m'a dit, on est en train de prier. Mais ça, ce n'est pas de mon niveau et on a besoin de ton aide. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Il était 1h du matin. Je me suis réveillée, parce que ce genre de prière ne se fait pas assis. Je me suis levée. J'ai commencé à prier. Et je vous assure, jusqu'à 4 heures. Ce genre de prière ne finit que quand vous sentez the release of the spirit, le breakthrough, que j'ai fini, que j'ai cassé, que je suis passée. C'est à 4 heures que j'ai senti ça. J'ai été malade, physiquement, really malade. J'en ai parlé à 3 personnes ou 4, des frères qui prient. Il y avait une femme, 2 dames et un frère.
des gens qui savent que je ne blague pas avec mon travail. Et je sais qu'eux aussi, quand ils te disent on va prier, ils prient en réalité. Parce que beaucoup de gens vont dire oh, je vais prier pour toi, mais c'est juste lip service, comme on dit, c'est dans la bouche. Et on a prié, on a prié, on a ramené ces démons. En fait, le Saint-Esprit m'a dirigé et fermé la porte, qu'il ne retourne même pas au Rwanda, mais qu'il retourne dans l'abîme. Vous savez, il y a l'enfer est ici sur terre. Hell, l'enfer est ici sur terre. Il y a le Tartarus, la Bible nous parle du Tartarus. Il y a le Sheol, la Bible nous parle du Sheol. Il y a ce que la Bible appelle le bosom of Abraham. Avant que Jésus ne finisse son œuvre merveilleuse, les personnes qui étaient bonnes et qui mouraient allaient dans la poitrine d'Abraham. Ne me demandez pas à quoi ça ressemble, je ne sais pas. Mais quand Jésus est venu, qu'il est allé en bas, qu'il a prêché aux morts et qu'il a fait captivité, il a pris la mort en captivité et il a pris les clés de la vie et de la mort. Les clés de la mort, il a vaincu. Là où Paul nous dit, ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire? Christ a vaincu ce jour-là. Et c'est ça qui nous donne la victoire sur certains problèmes, cette victoire-là. Parce que toute la victoire de Christ a des composantes qui nous aident à attaquer différents problèmes. Donc, si vous priez pour avoir du travail et que vous avez envoyé vos CV, vous n'allez pas attaquer la mort. Si vous priez pour ce qui se passe à Béni, là maintenant, vous allez attaquer la mort. Si vous priez pour ce qui se passe à Béni, il faut attaquer l'esprit de la sodomie. Si vous priez pour ce qui se passe à Béni, il faut attaquer le géant qui vient verser le sang humain, qui emmène le meurtre. Donc, si vous priez pour avoir un mari, vous n'allez pas attaquer la mort. Donc, il faut voir la victoire de Christ en quoi elle peut vous être utile selon le travail du moment et selon l'ennemi que vous avez en face de vous. Et c'est comme ça que nous avons prié. C'est comme ça que nous avons pu ramener les géants en bas. Ce n'est pas leur temps. Leur temps va venir. Mais ils sont retournés en bas. Ils sont retournés en bas. Et il y a un besoin de ce genre d'onction, des onctions qui nettoient les villes, des onctions qui nettoient, qui voient où vient le danger. Dieu te réveille et t'emmène. Parce que le Saint-Esprit est celui qui dispense les dons, qui dispense les onctions. Donc, il sait que pour tel travail, tel enfant, a child of mine, tel enfant qui est à moi a ce dont j'ai besoin et il te réveille, il te donne. Et quand j'ai fini le matin, je n'ai même pas été à la gym, j'avais peur de sortir de mon environnement. Les répercussions du travail étaient là, physiques, je pouvais sentir ça dans ma chair. L'être humain avait peur, mais l'esprit était on top of things. Mais on n'est que humain, on est fragile, ça prend du temps pour que l'esprit et le corps redeviennent ensemble. Et quand ça m'arrive comme ça, j'écoute le gospel. J'ai mes chanteurs de gospel sérieux qui vous ministrent, qui peuvent par leur onction, et moi-même je chante, je chante. L'onction d'Abakouk est très sérieuse, où vous pouvez chanter et les saletés tombent par terre. C'est comme ça que j'ai procédé pendant 2 jours. Et puis je suis retournée à ma place dans ma tête, à ma place dans mon cœur et dans mon corps. Mais tout ça pour vous dire que les problèmes que nous avons, les problèmes que nous voyons, ont tous une cause spirituelle. Ont tous un individu humain qui entre là en bas, qui réveille les forces d'en bas, qui leur ouvre la porte. Et ces êtres-là, ces entités, montent au-dessus pour causer des problèmes. Parce que il y a moi, quand je prie, je dis que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Mon travail à moi, c'est de tirer la volonté de Dieu, la faire monter ici au-dessus. Et on a des gens en bas, leur travail, des gens ici sur terre, leur travail c'est de taper en bas et dire que ta volonté soit faite ici comme elle est en bas. Donc leur travail c'est d'aller en bas et de ramener les choses d'en bas ici au-dessus. Et mon travail c'est de ramener les choses au-dessus, les emmener ici en bas. Vous devez savoir où est-ce que vous êtes. Et donc nous n'avons pas le même maître. Et donc nous voyons des problèmes au lieu que ceux qui peuvent parler parlent, que ceux qui peuvent aller manifester manifestent, que ceux qui peuvent insulter. Si c'est ça qui vous fait plaisir, allez-y. Et ceux qui peuvent prier, doivent prier.
Nous devons prier. Nous devons prier. Et il y a des problèmes qui sont tellement grands que nous avons des niveaux, besoin d'onction. Vous voyez, cette dame que j'ai vue, c'est exactement ce que l'apôtre Paul avait vu quand il dormait et il a vu un homme qui est habillé comme un Macédonien, un Grec qui est venu lui parler et l'a appelé, ce qu'on appelle en théologie de Macédonian call. C'est ça que Paul avait vu. Moi, c'était une dame du Kivu parce que je jeûnais pour le Kivu en ce moment-là. Je pleurais avec ceux qui pleuraient. J'élevais devant Dieu chaque larme, chaque goutte de sang versé. Ces images que nous voyons, des gens coupés à la machette, ça fait mal. Ces orphelins, qui va s'en occuper? Ces vies interrompues. Pourquoi? Alors nous avons besoin de personnes qui prient, que chacun prenne conscience là où il est, avec son onction, à son niveau, et pouvoir prier pour le Congo, que chacun prie pour sa nation, mais nous devons prier. C'est ça qu'on appelle « to link shield », donc mettre vos boucliers ensemble et pouvoir attaquer un ennemi ensemble. Élevez votre foi ensemble pour pouvoir finir un problème. Élevez vos pleurs ensemble pour pouvoir permettre à Dieu, qui est celui qui essuie les larmes, qu'il puisse venir faire cela pour nous. Élevez les problèmes ensemble pour que lui, le Dieu qui résout les problèmes, puisse venir résoudre les problèmes. Et portez plainte devant le tribunal pour que le juge des juges puisse venir entrer dans le problème et juger et donner son verdict et rendre à chacun selon leurs œuvres. Et il n'y a que lui qui puisse faire cela. Donc il ne faut pas minimiser et dire non, je viens à peine de commencer à prier. Je suis encore trop jeune, je ne peux pas prier pour un grand problème comme les maux que le Congo, la République démocratique du Congo est en train de connaître. On a besoin de tout le monde, on a besoin de la contribution de tout le monde. Moi, je ne veux pas voir le Congo couler, alors on a besoin de toutes les mains sur le deck. Tout le monde doit monter et travailler, mettre sa main à la pâte. Et que nous puissions résoudre ce problème spirituellement et les conséquences dans le naturel vont être vues. Parce que pour moi, je prie pour le Congo. Je suis très embêtée par la situation du Congo. J'ai honte pour la situation, pour l'état dans lequel le Congo est. J'ai honte en tant qu'intellectuelle congolaise, en tant qu'une enfant du royaume de Dieu, en tant que quelqu'un qui aime cette nation-là. J'aime le Katanga, mais j'aime le Congo aussi. Et voilà ce que je voulais partager avec vous. C'est tout à fait possible d'avoir des problèmes, de connaître la mort, de voir le sang versé, juste parce qu'un groupe d'individus ont décidé, comme des rapaces, comme des vautours, et qui viennent avoir une attitude parasitique, comme on dit en anglais. Et voilà ce que je voulais partager avec vous, et que puissiez-vous mettre la main à la pâte, que nous puissions prier pour le Congo, parce que le Congo en a besoin. Le Congo a besoin de prière. Et le Congo a besoin de travailler aussi. So, travaillons et prions, prions et travaillons. Et je ne vous demande pas de passer 8 heures dans une église. Ces pasteurs congolais aussi qui sont en train de garder les gens captifs. C'est comme si vous kidnappez les gens. Ils ne peuvent plus aller travailler, produire et pourvoir aux besoins de la famille. Il y a des mesures. Si votre appel n'est pas comme le mien d'être appelé en ministère à temps plein, alors allez au travail et rentrez travailler. Aller au travail, rentrer travailler dans le royaume, travailler dans le monde pour pouvoir aux besoins et travailler dans le royaume pour régler les problèmes du royaume. Moi, Dieu m'a totalement débranché de Babylone. Je ne travaille plus dans le monde, je travaille seulement dans le royaume. Il pourvoit pour moi. Et je vous assure, ça fait 17 ans que je n'ai pas travaillé. Mes diplômes sont dans le tiroir. Dieu pourvoit pour moi. Donc, s'il ne vous a pas appelé à faire ça, il ne faut pas non plus abuser parce que Dieu n'aime pas les paresseux. Donc, nous devons travailler pour pouvoir résoudre des problèmes. Parce qu'après tout, nous sommes le royaume. Nous sommes l'option qui est la plus ignorée et la plus méprisée, mais pourtant qui est la plus forte. C'est parce que très peu d'entre nous sont entrés dans notre appel. Vous voyez comme les Legos, quand vous les faites entrer, très peu d'entre nous sont entrés dans leur appel. Alors, ils n'ont pas le fullness de tout ce que le Saint-Esprit peut offrir. Et c'est comme ça qu'on est ridicule. Et maintenant, vous avez les éléments de Satan, qui sont ces petits pasteurs de Satan, les petites mains de Satan, comme je les appelle, qui viennent
qu'ils disent Jésus, Jésus, mais ils ne vous nourrissent pas, ils ne vous aident pas, ils ne vous apprennent pas à prier, ils ne vous apprennent pas à aller de l'avant. Et nous avons ces chanteurs de gospel qui sont bizarres, qui chantent Jésus, mais qui mangent la viande de chien, qui tapent leur femme, qui ont un comportement totalement non chrétien. Et alors, ils ne peuvent pas aider, ils nous ont failli en fait. Ceux en qui on avait, ou certains espéraient qu'ils pouvaient aider, n'ont pas aidé. C'est pour ça que mieux vaut s'en remettre à Dieu que s'en remettre aux hommes. Mieux vaut placer sa confiance en Dieu que la placer entre les mains des princes et des rois. Dieu est la source de tout, il est le Dieu de qui toute bénédiction découle, il est le Dieu qui donne les réponses. Alors, ne mettez pas votre espérance en un homme, mais mettez votre espérance en Dieu. Parce que les hommes peuvent venir avec de belles paroles, mais vous commencez à voir leurs actions, les paroles commencent à changer, et vous voyez qu'en fait, tout était là depuis le début, on n'avait pas vu. Ou on avait vu, mais on ne sait pas comment ces personnes sont arrivées là. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, nous en avons vraiment besoin. Pour moi, les problèmes du Congo ne pourront être résolus que par Dieu. Par Dieu, parce qu'il doit pointer maintenant des individus qui sont capables et qui peuvent faire quelque chose pour le pays. Ceux en qui on avait mis notre espérance. Que Dieu puisse vous aider. Merci beaucoup. Mon remote control recommence encore à me causer des problèmes.